après-midi tout le monde et bienvenue au concours du jeune présentateur télé. Voici la finale. Vous avez été très nombreux à les regarder des semaines durant sur les antennes de Canal 2 International. Faire preuve de talent, d'abnégation, d'efficacité. Depuis la cruciale étape de casting jusqu'au voting en passant par le coaching. Et justement concernant le voting, vous connaissez les chiffres. À 60%, c'est le jury qui décide. À 40%, vous avez voté sur Facebook et via l'application de Play. Dans cette édition, nous allons suivre un processus qui nous mènera au dévoilement des deux visages qui bénéficieront pour l'un de 3 mois et pour l'autre de 6 mois de stage d'immersion au sein de Canal 2 International. Dans cette édition, pour la première fois, je serai entouré de deux jeunes vedettes, des étoiles montantes de l'audiovisuel, Ernestine et Haroun Nazira qui vont nous accompagner dans le processus de découverte de nos lauréats. Elle en particulier, elle a travaillé en tant qu'assistante de production depuis l'étape de casting. Elle a accompagné les membres du jury, elle a soutenu et conseillé les nombreux candidats et elle a certainement quelque chose à partager avec nous. Oui, puisqu'elle était une dame de l'ombre, elle va partager des moments spéciaux et exceptionnels. Ernestine, merci de nous retrouver sur ce plateau, le plateau de la finale. Je rappelle que nous sommes au cœur de Bonaprizo, aux Cascades Saint-David, un lieu magique, féerique et qui nous abrite tellement bien pour cette finale exceptionnelle. Bienvenue, Ernestine. Welcome, Joe. Welcome, viewers. Good afternoon, all. And welcome to the Bass TV presenter. Ce soir, ou cet après-midi, nous avons rassemblé justement quelques-unes des étoiles montantes de l'audiovisuel camerounais, les plus ambitieuses, les plus charismatiques, les plus talentueuses qui ont su prouver qu'elles avaient leur place justement derrière les projecteurs. Alors, depuis l'instant du casting, aux présélections jusqu'au coaching, ce soir, nous aurons bien sûr l'occasion de dévoiler le regagnant ou le revainqueur de cette édition du Jeune Présentateur 2024. Alors toi, Ernestine, qui a vécu cette compétition, cette édition 2024 depuis ses tendres débuts, qu'est-ce que tu aurais à dire, par exemple, sur la qualité des candidats des 9 finalistes qui sont là aujourd'hui? Alors, on a énormément de talents, je l'ai dit tout à l'heure. C'est des personnes qui sont venues de part des 10 régions du Cameroun qui nous ont retrouvés pour cette édition du Jeune Présentateur 2024. Ils sont très ambitieux, ils ont vraiment beaucoup d'enthousiasme et on a pu voir comment ils ont pu captiver justement l'audience des jurés et durant tout le long de leur parcours. On a vraiment assisté à quelque chose de merveilleux, je le dis en toute honnêteté, c'est l'avenir de l'audiovisuel camerounais avec nous aujourd'hui. Ernestine, permets-moi de te remercier d'être des nôtres. Ah bah, c'est avec plaisir, Joe. Nous ne serons pas seuls durant cette édition. Ah oui, il y a surtout une boule d'énergie qui nous accompagne depuis un bon moment déjà à Canal 2 International. Elle, c'est la pépite, la magnifique, la ravissante Haroun Nazira qui nous rejoint justement à cet instant. Haroun Nazira, merci d'être des nôtres cet après-midi. Merci à toi, merci à Joe, merci aux téléspectateurs. Bon après-midi à vous bon après-midi aux téléspectateurs. C'est un plaisir d'être avec vous pour l'édition 2024 du concours du jeune présentateur. Oui, alors Haroun Nazira, tu es une professionnelle qui monte et qui monte, mais également une téléspectatrice très aguerrie. Pour avoir regardé chacun des épisodes depuis le tout début de cette compétition 2024, que peux-tu dire, nous dire au sujet de cette belle épopée? Bon, je veux résumer tout ce que j'ai vu en 2 mots. Fantastique et incroyable. Wow. Fantastique, pourquoi? Parce que c'est vraiment fantastique de voir qu'il y a des jeunes qui ont des rêves, qui décident de venir les réaliser à Canal 2 à travers le concours Le Jeune Présentateur Télé. Vraiment, c'était fantastique de voir à quel point ils étaient talentueux, à quel point ils étaient travailleurs, à quel point ils ont bossé de façon intense pour être actuellement où ils sont. Ouais. Incroyable, pourquoi? Parce qu'ils étaient aux côtés des baobabs de la maison, ceux-là qui ont fait les beaux jours de l'audiovisuel au Cameroun, que ce soit au niveau de l'animation ou alors du journalisme. Donc vraiment incroyable, fantastique, c'est tout ce qu'il faut dire pour cette édition 2024. Oui, et tu me permets justement, Haroun Nazira, de saluer Junior Hossin, Joyce Fotso, Aimé Catherine Moukouri, Fidjil, Patricia Kei, qui ont été des jurys professionnels, impartiales, toujours à l'écoute, et qui, au final, ont contribué à 60% à sceller le destin des deux personnes que nous allons découvrir à la toute fin de ce programme et qui vont bénéficier pour l'un de 6 mois d'immersion professionnelle au sein de Canal 2 International pour le lauréat principal et pour son dauphin de 3 mois. Restez des nôtres et je le dis, Ernestine, Haroun Nazira, on va vous retrouver tout à l'heure. Vous allez jouer
des rôles capitaux dans le dévoilement de ces deux visages-là. Mais vous, chers téléspectateurs, ne bougez pas. À l'instant, nous allons accueillir, découvrir ou redécouvrir pour certains les 9 visages des finalistes pour cette édition 2024 du concours du jeune présentateur télé. Nous le tenons pour un privilège, celui d'avoir la primeur de vivre l'éclosion de ces talents qui seront sans aucun doute des grandes personnalités des médias au Cameroun, en Afrique et certainement dans le monde. Je vous rappelle que vous vivez l'édition 2024 de la finale du concours du jeune présentateur télé. Et au cœur de cette finale, nous mettrons aux prises les 9 finalistes que vous avez suivis depuis le casting et qui ont tenu les coachings en face de la monitrice principale Joyce Fotso et qui ont partagé les expériences de Patricia Kei, de Fijil, de Aimé Catherine Mukuri sur les plateaux ou en dehors. À l'instant, avant d'en parler des choses beaucoup plus sérieuses, nous allons les recevoir les uns après les autres. S'il vous plaît, dans vos salons et qu'importe l'endroit où vous regardez ce programme, je vous demande de tenir des applaudissements pour, selon l'ordre alphabétique, le tout premier talent. On accueille Blaise. Parfaitement bilingue, intrépide, concentré et surtout, je rajouterai, créatif. Il fait partie de ces visages et de ces voix qui ont marqué cette édition 2024. Bienvenue Blaise. Thank you Joe. Dis-moi, si en quelques mots il fallait résumer cette aventure pour toi, cette aventure du concours du jeune présentateur télé 2024, tu dirais quoi? Well, Joe, I must say it has been a very brilliant and very interesting moment. Far from the experience we gathered, it equally gave me an opportunity to meet other candidates with much talent. And I must say I had very good and very interesting time. And I wish we had more times to actually go on with the competition. Alors, si le concours du jeune présentateur télé 2024 est peut-être ta première expérience télé, il faut dire que tu es quand même un vieux de la vieille à la radio. Of course, it is my first participation in a TV host competition. So, and I'm a radio animator, as you earlier said. I've been in the field for over 6 years. Yes. As a radio animator. Mais très bonne chance pour la suite. Et tu n'es pas le seul talent au VAC. À l'instant, une autre jeune demoiselle, belle, pétillante, pleine d'énergie, ravissante par le corps, mais également sublime par l'esprit. Elle, vous avez certainement participé à son élévation dans le voting. Elle se prénomme Dora. Elle va nous retrouver ici. Et vous savez, depuis le casting, elle a tapé dans l'œil des différents membres du jury. Et quand je dis jury, je pense à Junior, à Joyce, à Aimé, à Fijil, à Patricia, à Kei, qui n'ont pas manqué de la solliciter. Bienvenue Dora. Merci Joe, très élégant cet après-midi. Ah, mais c'est quand même la finale, tu sais. Effectivement. Alors s'il fallait résumer en quelques mots cette aventure 2024 du concours du jeune présentateur télé, ce serait quoi pour toi? Le mot qui me reviendrait le plus, c'est instructif, belle rencontre, parce qu'ici, j'ai vraiment appris de professionnels de partout et d'ailleurs, précisément du Canal 2 International. Voilà. Et je suis très, très, très heureuse et honorée. À côté de l'apprentissage professionnel, il y a quand même, il faut le dire, que le voting t'a permis de tester ta capacité de mobilisation. Effectivement, Joe, effectivement. Et je me suis rendu compte que j'ai vraiment une fan base, une fan club de qualité en fait. Parce que ces gens, certes, je n'ai pas été meilleur là-bas, mais ces gens m'ont montré qu'en 2 jours, 3 jours, je pourrais vraiment relever la pente. Et vraiment, ça m'a touchée. Et je leur dis merci, merci encore. Et on remercie également toutes les personnes qui ont contribué justement, qui nous ont aidés à accompagner ces jeunes sur le chemin de l'excellence et qui ont contribué à 40% à la désignation des 2 personnalités, des 2 lauréats de cette année. Je reprécise que Facebook compte pour 20%, l'application, le voting via l'application de Play pour 20% et à 60%, c'est le jury qui décide. À l'instant, nous allons accueillir quelqu'une qui a fait preuve de polyvalence. Oui, quand on dit présentatrice, c'est pour voir si ton nom est footballeur, jouer sur les 2 pieds, que ce soit dans la présentation d'un événement de divertissement ou d'un programme de type journalistique.
Elle joue très bien des deux pieds, mais aussi dans la communication. Elle a d'autres talents, notamment d'être une excellente voix off. Elle a impressionné le public. Elle vous a touché également par la multitude de ses facettes. Elle, c'est Fatima que nous accueillons à l'instant et sa capacité de mobilisation pendant que l'on parlait de cela également. Exceptionnel. On l'a vu sur la page Facebook du concours du jeune présentateur télé. Et on espère qu'en plus de cela, ça a été le même sur l'application de Play et que aussi les notes du jury vont suivre. Bienvenue Fatima. Merci Joe. Alors, si toi tu devais parler de cette belle aventure du concours du jeune présentateur télé en 2024, c'est quoi pour toi ? Je dirais que le concours du jeune présentateur télé a été une très belle expérience. Pendant ce concours, j'ai pu découvrir des talents que je ne connaissais pas, des talents que je n'avais pas encore décelés en moi. Je ne savais pas que j'étais une animatrice déjà. Donc le concours du jeune présentateur télé, en bref, m'a permis de découvrir des talents, m'a permis aussi de découvrir des lacunes que j'ignorais et qui seront peaufinées avec le temps. Ah, merci d'avoir joué le jeu d'être là depuis le casting, mais également d'avoir suffisamment mobilisé pour le voting. On a Blaise, on a Dora, on a Fatima et on accueille à l'instant quelqu'un qui est probablement le plus jeune de cette QV 2024 et peut-être aussi, et ça ce sera selon votre sensibilité, l'un des plus élégants. On reçoit Franck. Et pour lui, le concours du jeune présentateur télé, c'est un rêve qui se réalise. L'opportunité pour lui donc de faire une entrée, disons-le, remarquable dans l'univers des médias sous la forme traditionnelle, peut-être la radio et naturellement pour le cas du concours du jeune présentateur télé sur Canal 2 de la télé. Bienvenue Franck. Bienvenue Joe. Comme les autres, qu'est-ce que tu dirais de cette belle aventure 2024 du concours du jeune présentateur télé pour toi ? Déjà merci de me passer la parole. Ça a été une très belle aventure pour moi. J'ai palpé du doigt cette gaieté, cette joie, il y avait, n'est-ce pas, de l'ambiance dans les coulisses. J'ai beaucoup apprécié l'amitié qui s'est fondée, l'amitié qui s'est créée. Vous pouvez d'ailleurs voir ces visages tout joyeux. Et je pense qu'après cette aventure-là, l'amitié va continuer. J'ai beaucoup aimé les conseils de Madame Joyce. J'ai beaucoup aimé son sérieux, les conseils qu'elle nous a donnés. Je pense que pour moi, ça a été une belle aventure. Et alors, c'est une belle découverte de savoir qu'au-delà de la compétition, il y a quand même des liens d'amitié qui se sont tissés et que vous avez pris le temps de construire. C'est possible une amitié malgré la compétition dans le milieu professionnel ? Ah oui, certes. Déjà, c'est un jeu. Il faut qu'on le retienne. Donc, en dehors de ce jeu, on va devoir tout d'abord être honnête en ce qui concerne le jeu. Et après cela, n'est-ce pas, continuer la relation qui s'est fondée. Je ne pense pas que le jeu peut gâter quoi que ce soit. Donc, on va juste continuer à être amical. Ah, c'est bien fait et c'est bien dit, c'est un jeu et ce jeu a des règles et la règle prescrit que c'est à 60% que le jury décide et que 40%, c'est-à-dire 20% pour le Facebook et 20% pour l'application de Play permettront cumulé de désigner les deux lauréats. Le candidat qui va suivre avant la case concours du jeune présentateur télé était principalement intéressé par l'art oratoire qu'il a appris et qu'il a maîtrisé. Et c'est justement cet attachement à l'art oratoire qui lui a certainement permis de marquer les esprits du jury et de faire son bout de chemin, d'exceller dans le cadre du coaching. Nous recevons à l'instant le candidat Idriss qui nous rejoint. Et justement, au-delà de l'art oratoire, et on a pu le voir dans cette édition 2024, Idriss, c'est aussi une touche particulière d'élégance. C'est aussi ça, être un jeune présentateur. Bienvenue Idriss. Merci Joe Patrice. Alors tu vas te prêter au jeu comme les autres, de nous dire en quelques mots comment tu résumerais ton aventure 2024 du concours du jeune présentateur télé. Le concours du jeune présentateur télé 2024 a été pour la première fois un rêve qui se réalise et pour une deuxième fois une aventure de découverte. Découverte pourquoi ? Parce que ça nous a permis de redécouvrir les métiers de présentateur télé. Les métiers de présentateur télé et encore d'animateur. Et ça a été une très belle aventure. Et la vivre aux côtés d'autres personnes passionnées également par le domaine du journalisme et de l'animation, ça nous a également permis de nourrir cette passion-là et de la travailler au quotidien. Le jeune présentateur télé, c'était ça.
Alors, est-ce que tu penses comme les autres que le premier et peut-être l'unique gain, c'est d'abord d'avoir participé et d'avoir appris beaucoup de choses? Justement, Joe, c'est la première victoire, c'est de prendre part à ce concours qui a été plein d'enseignements à côté des coachs et des jurys comme vous, Joe Matrice, Madame Joyce Foto, Fidjil ou encore Alain Giselin Kangara qui nous ont appris énormément de choses, que ce soit sur le journalisme ou encore sur l'animation télé. Et moi, je vais vous retourner le merci à vous, chers candidats, pour la passion dont vous faites preuve et ce que vous faites mentir, parce que pour ceux qui pensent que les passionnés n'existent plus, qu'il n'existe plus de jeunes qui aient envie de réussir à partir de ce cher et beau pays, BCQV 2024 est la preuve du contraire. Le candidat qui va suivre, vous l'avez certainement déjà rencontré au hasard d'un programme de sport sur Canal 2 International ou sur d'autres médias. Bien avant l'aventure du concours du jeune présentateur télé, c'était déjà un journaliste reporter d'image spécialisé autour des questions de sport. Et dans son envie de rejoindre l'antenne de Canal 2 International, il a estimé que la meilleure porte d'entrée serait probablement le concours du jeune présentateur. Et c'est tout en son honneur. On reçoit le candidat Laurent. Et Laurent, justement, si vous vous en souvenez, lors du casting, il avait fait une démonstration extraordinaire de sa très bonne connaissance de l'actualité sportive, mais également de l'expérience dont il peut faire preuve dans le traitement de l'information. Bienvenue Laurent. Merci Joe, merci et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Laurent, pour quelqu'un qui a ton vécu et ton expérience professionnelle, le concours du jeune présentateur télé 2024, c'est quoi? De l'humilité ou de l'audace? De l'humilité parce qu'il faut chaque fois se remettre en perpétuel questionnement. Et du coup, je me suis dit, on ne connaît pas toujours tout. Il faut se remettre chaque fois aux personnes qui ont une certaine expérience. Et le concours de présentateur m'a vraiment permis de me remettre entre les mains de ces personnes qui pratiquent le métier au quotidien. Et du coup, on a passé de très beaux moments avec les encadreurs qu'on nous a confiés. Et on est presque à la fin, dans une phase décisive. Et nous espérons que, j'espère qu'à la fin, le meilleur va gagner. Au-delà du défi ou du challenge d'apprendre des choses nouvelles ou de zéro, il y a également celui d'être le meilleur. Justement, il y a celui d'être le meilleur. Et je ne voudrais pas me substituer aux membres du jury qui font déjà un travail énorme depuis le début. Et chacun est en train de faire sa prestation. On voit qui peut faire quoi et comment et avec quels moyens. Et à la fin, naturellement, on saura qui va être le meilleur. Le jury est en train de faire son travail et forcément, à la fin, on connaîtra qui était le meilleur ou quels étaient les meilleurs. Et pour ajouter à ta suite, en plus du jury, il faut signaler que vous, chers téléspectateurs, en tant que témoins de l'histoire et de la montée en puissance de ces pépites, mais également en tant que fans, vous avez contribué à 40% à ce qui va suivre. Merci Laurent d'être avec nous. Et la personnalité suivante, si vous permettez que j'utilise ce mot de personnalité, c'est quelqu'un qui est déjà d'une certaine façon en flirt avec les médias et principalement sur les réseaux sociaux où elle a l'habitude d'interviewer les vedettes. Et une vedette elle-même du micro, elle est en passe de le devenir. À côté donc de cette intervieweuse de génie, elle est également une très très bonne apprentie de l'art oratoire. C'est la candidate qui vous a sans aucun doute séduite ou alors qui a fait parler les membres du jury. On accueille Lucie. Lucie, justement, qui a eu l'occasion de faire preuve de beaucoup de maturité, oui, un zeste de maturité dans un esprit de jouvence et surtout un intérêt particulier pour l'apprentissage. Bienvenue, Lucie. Merci, Joe Matrix, et merci à toute l'équipe de Canal 2 International. Alors, le jeune présentateur télé n'est pas ta première expérience en média, mais tu as quand même tenu à vivre l'aventure. Effectivement, Joe Matrix, et pour moi, je dirais que ça a été un challenge relevé parce que j'ai fait ce choix pour être cette icône d'audace pour les femmes et les jeunes filles,
pour leur montrer qu'il n'y a aucune limite à ce qu'on peut accomplir parce qu'on est mère, parce qu'on est épouse, parce qu'on est jeune fille. Et me retrouver en finale de cette compétition, pour moi, c'est une preuve que c'est possible. Oui, alors c'est possible d'apprendre, mais c'est également possible de mobiliser parce que c'est l'autre côté du défi du concours du jeune présentateur télé. Pouvoir mobiliser autour de sa candidature la famille, les amis et les personnes lambda qui nous regardent ou qui nous écoutent régulièrement. Ça a été difficile pour toi ? Je dirais non, ça ne l'a pas été. Et d'ailleurs, je profite de cette aubaine qui m'est donnée pour remercier les amis, la famille, les paroliens, tous ceux qui m'ont soutenu à travers le monde. Merci pour vos likes, merci pour vos votes, merci pour vos encouragements. Nous sommes des champions et nous le resterons. Ils sont tous des champions et ils semblent tous le dire d'une façon ou d'une autre. Le premier intérêt, la première victoire, c'est de participer et d'apprendre. Et l'apprentissage, justement, ça a été et c'est toujours l'un des leitmotifs de Naomi, la prochaine candidate. Et en tout cas, communicatrice, naturellement, elle avait besoin, elle, d'apprendre pour facilement se fondre dans la peau d'une animatrice, d'une journaliste, bref, d'une excellente présentatrice. On accueille à l'instant la candidate Naomi. On a régulièrement vu sur les antennes de Canal 2 International dans la posture de communicatrice et elle est venue sans aucun doute à cette aventure 2024 du concours du jeune présentateur télé pour apprendre les techniques, les codes de la présentation télé. Bienvenue Naomi. Thank you Joe. Alors comme les autres, je te le demande, s'il fallait résumer ton parcours en 2024 au cœur du concours du jeune présentateur télé, tu dirais quoi ? Thank you, Joe. The concours du jeune présentateur télé 2024 was for me an amazing challenge, full of laughter, joy. We had the opportunity to learn some basic concepts concerning journalism and animation. And I want to remind that, yeah, the best is still to come and let the best win. Le meilleur reste à venir, tu as bien fait de le dire. Et je me retourne vers vous, chacun des 8 candidats ici présents et signaler à ceux qui regardent ce programme depuis le tout début qu'effectivement il était censé être 9 finalistes mais le candidat William n'a pas pu assister à cette finale donc nous ferons naturellement 100 en tenant compte comme il a été dit depuis le début de 60% pour le vote du jury, le jury Joyce, Junior Hossin, Aimé Catherine Moukouri, Patricia Kei et Fidjil. 40% de vous, chers téléspectateurs, fans, amis et familles qui n'avaient pas hésité à voter, votez sur le compte Facebook Jeune Présentateur Télé Canal 2, mais également votez via l'application Deplay. Alors, la liste ou le classement final est déjà consigné quelque part. Ici à la place Saint-David des Cascades, non loin de Youpoué, donc à l'encablure entre Bonapriso et Bonanjo. Et ce qui va se passer, chers candidats, c'est que nous allons traverser une série d'épreuves, une série d'ateliers, au bout desquels, après chaque atelier, nous allons éliminer, suivant l'ordre final, des 60 et 40% les candidats. À chacun des ateliers, je le répète, il y aura des éliminations jusqu'à ce qu'on arrive au classement final à découvrir le ou la candidate retenue comme étant lauréat et son dauphin. J'espère que vous êtes prêts pour cette finale. J'espère que vous êtes mentalement gonflés à bloc. Et j'espère également que vous à la maison, vous n'avez pas hésité de soutenir votre candidat préféré, votre favori, et que d'une certaine façon, vous allez croiser les doigts, lever le regard vers le ciel pour être sûr et certain que votre vote, votre contribution va aider ou a aidé à faire de celui qui a tapé dans votre œil le jeune présentateur télé 2024. On se retrouve juste derrière pour le tout premier atelier, celui du tirage au sort. A tout de suite. Merci d'être encore des nôtres. Vous vivez un moment exceptionnel, un moment, un grand moment de télévision, celui de la naissance des futures vedettes de la télévision au Cameroun et certainement sur le continent africain. Merci également à vous, chers candidats, de jouer le jeu, d'être toujours avec nous. Pour certains, ça va être la première fois de vivre une production audiovisuelle aussi éprouvante. Merci de jouer le jeu.
Et merci également d'être dans mon atelier. Je vous explique très vite le principe. Il y a un pot au centre de ce boucaro. Et une fois que le pot se sera vidé, tous ceux d'entre les candidats qui seront encore dans le boucaro avec moi sont éliminés. Sous quel principe va se vider le pot? Vous, les 8 candidats, vous allez vous concerter et désigner un tireur qui va s'avancer et va prendre un coupon à chaque fois dans le pot. Chaque coupon comprend une inscription qui est sans aucun doute le nom ou le prénom de l'un des candidats d'entre vous. Le prénom qui est tiré du pot désigne un candidat qui quitte le boucaro. Si c'est le tireur qui tombe sur le coupon contenant son prénom, il quitte le boucaro et vous redésignez un autre tireur. Si le tireur a un autre prénom, le candidat en question quitte le boucaro et le tireur est libre de continuer ou de s'arrêter et ce sera à ce moment à vous de redésigner un autre tireur. Et tenez-vous bien, et c'est le point le plus important, une fois qu'il n'y aura plus de coupons dans le pot, tous les candidats qui n'ont pas quitté le boucaro sont éliminés. Je répète, une fois qu'il n'aura plus de coupons dans le pot, les candidats encore présents dans ce boucaro, c'est fin de l'aventure, dead, c'est mort, plus moyen d'être le lauréat 2024 du concours de jeunes présentateurs télé. Y aurait-il une question avant de commencer? Aucune question. À l'instant, est-ce que le groupe a besoin de temps pour désigner le premier tireur? Prenez votre temps. Ici, c'est mon espace. Je vous donne le temps que vous voulez. Ou y aurait-il quelqu'un qui se désigne volontaire pour le faire? Naomi? Laurent? Idriss? Dora? Fatima? Lucie? Laurent? Laurent s'avance vers le pot et il va prendre un coupon. Et on rappelle le principe, sur chacun des coupons, il y a un prénom inscrit qui désigne un candidat. Et le candidat qui est élu est le candidat qui quitte le boucan. Le candidat Blaise nous quitte à l'instant. Quitter ce boucaro est synonyme de qualification directe pour la suite. Alors Laurent, que fais-tu? Tu continues de tirer ou tu t'arrêtes? Laurent continue. Tirage suivant. Blaise est parti. Ils ne sont plus que 7 ici et il y a encore des coupons dans le pot. Coupon suivant. Fatima. Fatima est qualifiée pour la suite, qualifiée d'office. Et je réalise que pour Naomi, pour Dora, pour Idriss, pour Lucie et surtout pour Franck, le cœur doit battre la chamade. Je le rappelle, dès que le pot se vide, on reste ensemble et pour la vie. Laurent, tu continues ou tu t'arrêtes? Laurent s'arrête. Tu vas déposer le micro, Laurent? Et on va attendre le prochain courageux ou alors la concertation du groupe. Idriss, Lucie, Dora, Lucie. Prends son courage à deux mains pour désigner peut-être un candidat qui va nous quitter et qui va se qualifier pour la suite. C'est le concours du jeune présentateur télé 2024. Doucement, doucement, Lucie. Et Lucie a tiré elle-même. Lucie! Elle a tiré elle-même son prénom. Waouh! Quelle grâce, quelle bénédiction! Et Lucie va quitter le boucaro. Voilà. C'était prescrit et c'était consigné dans les règles. Le tireur qui tire son propre nom s'en va. Et les autres sont là. Vous n'êtes plus que 5 francs dans ce boucaro. Et je vous disais depuis le départ que je suis partant pour vous retenir tous les 5. Moi, je ne veux pas rester avec vous, Joe. Et qu'est-ce qu'on fait? Bon, déjà, je vais passer un message à Lucie. Elle doit être très contente. Ouais. Et vraiment, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Et surtout du courage pour la suite de la compétition. Oui, du le meilleur reste à venir, oui. Donc, maintenant,
Il reste juste à savoir qui va être volontaire pour tirer le prochain papier. Le prochain papier. Est-ce moi ou une autre personne? Alors quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Lucie doit servir d'exemple. J'espère que vous l'avez vu. Elle a pris son courage à deux mains pour aller tirer. Et elle a eu la bonne grâce, la bénédiction de tomber sur son propre prénom. Et vous savez, nous connaissons tous Lucie comme étant une très bonne chrétienne, une fervente croyante. Et je pense que peut-être le prochain aura la même chance. Quelque chose à dire, Naomi? Bonsoir encore une fois de plus. Bonsoir, Naomi. Joe, on ne connaît pas le lendemain. Ça pourrait arriver qu'il n'y ait pas mon nom là-bas. Ça pourrait arriver qu'il y ait mon nom par chance, je ne sais pas. Mais au cas où il n'y a pas mon nom, j'aimerais rappeler à tous mes collègues candidats du concours du jeune présentateur télé 2024 que je les ai beaucoup aimés, j'ai beaucoup appris d'eux. C'était pas seulement une aventure pour moi, c'était un jeu, c'était magnifique, juste magnifique. Donc, que le meilleur gagne. Très belle. Et au cas où s'il y a mon nom là-bas, Joe, je te montre pas que je serai avec toi jusqu'à la gare. Ah. Oui, mais parce que celui qui choisit de rester avec moi est éliminé. J'espère que vous le savez. Non, je dis à la télé, bien sûr. Ah, d'accord. Ah, très bonne nouvelle. Non, après toi, Joe, parce que Canal devra bouger un peu. Hein. C'est mon souhait le plus grand. Okay. Alors, que faisons-nous pour la suite? Est-ce qu'il y a un tireur volontaire? Franck a déjà fait son devoir. Laurent a déjà fait son devoir. Franck veut-il s'essayer? Je vais essayer, Joe. Ou Naomi avant les femmes d'abord. D'accord. Naomi. Mm-hmm. C'est un exercice difficile. Naomi, prends ton temps, s'il te plaît. Prends ton temps, s'il te plaît. C'est un exercice très difficile, celui de découvrir le candidat qui va quitter. Franck. Et le candidat, c'est Franck. Mais Franck va quitter le Boccaro. Alors Franck, qui tout à l'heure voulait tenter sa chance et prendre le courage, mais voilà, c'est arrivé. Franck veut dire quelque chose. Déjà, merci beaucoup, Naomi. Elle me porte chance, celle-là. Ah, et c'est pas la première fois, visiblement. Non, secret professionnel. Secret professionnel. Bon, je vais juste quitter le camp. Non, alors, une fois que ton nom est tiré, tu quittes le Boca. Tu ne fais plus partie du jeu. Il ne reste que ces quatre candidats. Le pot se vide de peu à peu. Il y a encore quatre personnes ici. Idriss, Dora, qui essaye. Il y a encore quelques coupons à l'intérieur. Donc peut-être, vous aurez la chance. Alors, ce que je n'ai peut-être pas dit depuis le début, c'est qu'il est également possible de tomber sur un coupon vide. Et dans ce cas, personne ne bouge. Idriss, tous les regards sont rivés vers toi. Prends ton temps, doucement. Tiens ton cœur. Le candidat que Idriss dévoile. Laurent. Laurent quitte le Boccaro, laissant Naomi, Dora et Idriss encore avec nous. Trois personnes potentielles qui seraient éliminées, qui resteraient avec moi. Idriss, tu continues ou tu t'arrêtes? Je continue. Allons-y. Doucement. Le coupon peut être vide et personne ne sort. Le coupon peut porter l'inscription de quelqu'un qui va nous quitter et continuer l'aventure. Et le coupon porte le prénom Idriss. Idriss. Idriss s'en va lui aussi. Et je reste ici. Il faut bien le montrer à la caméra. Pour être sûr et certain qu'il n'y a pas de triche, c'est effectivement Idriss. Il a tiré son propre nom. Et je reste ici à l'intérieur avec Dora et Naomi. Les filles, j'ai en premier envie de vous dire que je n'aurai rien contre le fait de rester avec vous pour de bon. Rien du tout. Et Dora, j'ai envie de te dire particulièrement qu'à cet instant, tu es obligée de prendre ton destin en main. Naomi ayant déjà tiré. Si on retrouve un prénom
sur le coupon, le candidat quitte de Boukarou. Et s'il n'y a aucun prénom, personne ne part. Et tous ceux qui sont encore là sont éliminés. Le sourire. Elle a tiré Dora. Et Dora également quitte le Boukarou. Et il n'y a que Naomi. Alors Dora, une petite question. Y a-t-il encore quelque chose dans le pot? Oui, je pense qu'il y a... Il y a encore quelque chose dans le pot? Oui, je pense qu'il y a encore un coupon dans le pot. D'accord. Ça veut dire que tu quittes le Boukarou et il reste un seul coupon. Et un coupon que Naomi sera bien obligée de tirer. Je prends le pot et je prends le micro que je te remets, Naomi. Bonjour. Alors, c'est un moment difficile parce que il y a deux possibilités. D'accord. Soit il n'y a rien d'inscrit sur le coupon à l'intérieur et l'aventure s'arrête ici pour toi. Soit il y a effectivement ton prénom et personne n'aurait été éliminé après cette étape. Et c'est improbable. Je ne sais pas, on va voir. On ne sait pas. Qu'est-ce que je fais? Je t'aide, Naomi? Vas-y, aide-moi, Joe. Ou tu le fais toi-même? Vas-y, aide-moi. Non, rien ne me permet de le faire. Prends ton courage à deux mains. Tu as déjà fait l'essentiel de difficultés en participant au casting, en étant là à chaque fois pour le coaching. Tu as été forte, tu as été courageuse. Ce n'est pas juste un petit coupon qui va t'impressionner, Naomi. D'accord, Joe. On peut y aller? Ok. Allons-y. Il y a un cri dessus. Naomi. Ça veut dire que toi aussi tu pars. Ok, je suis ému, Joe. Alors si tu traînes un peu plus longtemps, je te retiens dans ce Boukarou et non, tu es éliminé. Non, Joe, je ne vais pas faire rester ici pour une seule minute. Voilà. Alors, à l'issue de cet atelier, finalement, aucun candidat n'est éliminé. Mais c'est la preuve qu'ils ont fait un travail super, super concernant les jurys qui ont à tous ces 8 candidats octroyé une très bonne note. Super également en termes de voting, puisqu'ils ont mobilisé le maximum de fans, que ce soit sur l'application Deplay, que ce soit sur la page Facebook Jeune Présentateur Télé Canal 2. La suite justement de la compétition, l'épopée vers la découverte des deux lauréats qui vont gagner respectivement 6 mois pour le principal et 3 mois pour son dauphin d'immersion au sein de Canal 2 International, c'est avec le prochain atelier. Et le prochain atelier, nous aurons l'occasion de le découvrir juste après ceci. Merci d'être toujours des nôtres pour la suite de la très attendue finale du concours du jeune présentateur télé 2024. À la suite du tout premier atelier, nos 8 candidats sont toujours dans la course. Mais pour la suite, ils ont été scindés en 2 catégories. Le groupe des filles et le groupe des garçons, contenant chacun 4 candidats. Le groupe des garçons sera dans l'atelier de Haroun Nazira, la maison des lettres, et le groupe des filles se retrouve dans la taverne des chiffres qui sera animée par Ernestine Mokada. On va retrouver tout de suite Ernestine et les candidates Dora, Fatima, Lucie et Naomi. A tout à l'heure. Hello les filles, ça va? Comment était l'épreuve de Joe tout à l'heure? Vous avez senti un tout petit peu stressé? C'est vrai qu'au départ, on se disait qui va rester, qui va continuer. Mais je crois qu'à la fin, tout le monde était content parce que nous sommes encore là. Alors, merci à Joe. Merci vraiment pour son caractère assez particulier. Il nous a un tout petit peu immergé dans la première procédure d'élimination des candidats directs. Aujourd'hui, vous êtes les bienvenus dans la case des chiffres, là où le mystère se mêle à la logique et bien sûr, là où chaque nombre cache une énigme. Alors ce soir, avec le concours de la réalisation, on va essayer de tester vos connaissances, on va essayer de tester vos nerfs, mais bien sûr, mettre à l'épreuve vos esprits aussi. Et à l'issue toujours de cet atelier, on connaîtra l'identité de celle qui ne fera plus partie de l'aventure, qui va nous quitter. Mais avant, on va faire un jeu.
J'aime beaucoup tout ce qui est multiplication et nombre. Donc, d'après la table, et sur la table, vous avez chacune une ardoise. Vous prenez votre ardoise, il y a la crème. Et vous marquez, les filles, le nombre qui correspond à la lettre, la première lettre de votre prénom dans l'alphabet français. Vous marquez sur l'ardoise le nombre qui correspond à la première lettre de votre prénom dans l'alphabet français. C'est parti. Si c'est bon, vous me dites que vous avez terminé. Sûr. Dora, Fatima, Naomi, Lucie. Non, vous écrivez de l'autre côté. Le noir, oui. Écrivez là-bas. Alors, on va donc commencer par Fatima. Bonsoir, Fatima. Bonsoir, Enerstine. Alors, quel est le nombre qui correspond à la lettre de ton prénom? C'est le nombre 6. 6. C'est la lettre F. F. Est-ce que tu pourrais dire au cours de l'aventure que tu as été fiable et flexible, par exemple? Oui, je peux le dire. Comment? En fait, je dois utiliser la lettre F pour donner... Au cours de l'aventure, tu penses que tu as été assez futé par rapport aux autres, par exemple? F. Futé, fiable, flexible. Quel est l'adjectif qui te caractérise le plus? Flexible. D'accord. Flexible. Comment? Je pense que j'ai été flexible. J'ai pu faire l'animation. J'ai pu faire aussi le journalisme. C'est pour ça que j'ai dit que je pense que j'ai été flexible. D'accord. Et tu me rappelles le chiffre qui correspond à la lettre de ton prénom? Le chiffre 6. Le chiffre 6. Alors, Dora, quel est le chiffre qui correspond à la lettre de ton prénom? C'est le chiffre 4. Le chiffre 4. Dora, la lettre D, quatrième lettre. Est-ce que tu peux dire qu'au cours de l'aventure, tu as été, on va dire, dynamique? Déterminée, dévouée? Oui, je pense que j'ai été déterminée et dévouée parce que j'ai réalisé, pour moi, ce sont des exploits. Être concentré, m'investir intellectuellement dans la recherche des sujets, la recherche des thèmes, je pense que oui, je peux me qualifier de personne déterminée. Lucie, ma chère Lucie. Alors, quel est le chiffre qui correspond à la lettre de ton prénom? Le chiffre 12. Lucie, commun, logique, loyale. Par exemple, comment tu te qualifierais ta présence lors de l'aventure? Merci Anastine pour cette question. Je dirais que ma présence dans l'aventure a été, pour me référer à la lettre L, assez avec une bonne logique, parce que l'état d'esprit qui m'habitait en entrant dans cette aventure entrait dans la logique professionnelle que je poursuis. Et deuxièmement aussi, loyal, oui, je l'ai été parce qu'au cours de l'aventure, j'ai essayé toujours d'entretenir de bonnes relations avec les autres candidats, d'être cette personne joyeuse, d'être cette personne aussi lumineuse à leur côté. Voilà, d'accord. Merci Lucie. Merci. Et on passe à la dernière, Naomi. Alors Naomi, quelle est la lettre qui correspond à ton prénom, le chiffre qui correspond à ton prénom? Le chiffre qui correspond à mon prénom, c'est le chiffre 14. 14, 12, 14. Naomi, comme naturel, par exemple. Effectivement. Naturel, comment est-ce que tu te qualifierais lors de l'aventure? Pendant l'aventure, j'ai juste été naturelle. J'ai été moi. J'ai rien forcé. J'ai donné le meilleur de moi. Donc, c'est ce que je peux dire, Lucie. Feel free to speak in English, right? Yeah, I was natural. I was me. I did not force anything. I gave out the best of me. That's what I can say concerning the adventure. D'accord. Alors les filles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au terme de cet autre atelier, on connaîtra l'identité de la personne qui va nous quitter. On va faire jouer vos méninges. Dans cette enveloppe que je tiens, il y a un puzzle.
un puzzle que vous allez reconstituer. Est-ce qu'on se comprend? Vous allez reconstituer ce puzzle et me lire la phrase qui est marquée dessus. La phrase correspondra aux nombres qui sont écrits sur votre ardoise, si jamais c'est vous la personne qui est censée quitter l'aventure. C'est un jeu d'équipe. Vous êtes prête? D'accord? Allez, on y va pour le déchiffrage du puzzle. Vous pouvez vous rassembler. Alors, allez. Vous avez le micro, les filles. Autour de est-ce cette que, table. Est-ce que vous avez... C'est non, bon? Non, c'est celui parce que je pense qu'il y a assez d'espace. Donc ça commence par une phrase. Alors, qui quittera l'aventure ce soir? Celui dont on le saura dans quelques instants. Est le plus grand. Les candidats autour de cette table. Les filles s'activent. Les candidats autour de cette table est le plus grand. Il manque un papier. Ben voilà. C'est celui dont le nombre est plus grand que parmi tous les candidats. Alors, le papier qui manquait est finalement là. Parmi tous les candidats. Parmi tous les candidats. Alors, est-ce que quelqu'un peut me relire finalement le puzzle que vous avez déchiffré? Naomi, d'accord. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit Ernestine, celui dont le nombre est le plus grand autour de cette table parmi tous les candidats. Celui dont le nombre est le plus grand sur cette table parmi tous les candidats quittera donc l'aventure. Ce soir, est-ce que chacune peut remontrer son ardoise? On a le 6 qui est pour Fatima, le 4 qui est pour Dora, le 12 qui est pour Lucie, le 14 qui est pour Naomi. Naomi, malheureusement, c'est toi qui quitte l'aventure. Merci pour tous tes loyaux services. On applaudit pour Naomi, on applaudit pour ses efforts. Tu as été juste exceptionnel. Merci. Continue merci. Dans cette même lancée. Merci. Comme je te l'ai dit, je reste naturelle. Je reste moi. Merci encore d'avoir participé au concours et à toutes les filles, je souhaite bonne chance. D'accord. Allez, on se retrouve juste derrière pour l'atelier de Nazira et ce sera avec les garçons. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes avec Naomi. Malheureusement, c'est ici que l'aventure s'arrête pour elle. Mais on te souhaite beaucoup de courage. Merci, Nazira. Ton passage était vraiment excellent. Thank you. Dis-moi, qu'est-ce que tu as appris pendant cette formation au concours de jeunes présentateurs? Ah, le concours de jeunes présentateurs télé reste pour moi, ça reste gravé là dans mon cœur. Et ce n'est pas la fin. C'est vrai que j'ai été éliminée, mais on dit le juste tombe 7 fois, mais il se relève 11 fois. Ça ne veut pas pour autant dire que je vais baisser les bras. Je vais encore essayer et encore et encore. Bon, le concours du jeune présentateur télé a été très bénéfique pour moi. J'ai eu l'occasion d'apprendre beaucoup de trucs concernant le journalisme, l'animation. J'ai eu l'occasion d'être en contact avec les professionnels du métier. Donc pour moi, vraiment, c'est un acquis inoubliable. Voilà, un acquis inoubliable pour Naomi qui quitte l'aventure aujourd'hui, du moins qui est celle qui a été éliminée actuellement. Mais ça reste une belle aventure pour elle. Je pense qu'il faut le voir avec ses amis, ses consoeurs, parce qu'elles sont devenues, c'est devenu une famille qui viennent la consoler. Voilà, Naomi ne remporte pas le concours, mais remporte le cœur des filles avec qui elle a vécu l'aventure. Tu as remporté le cœur de tes sœurs. Comme je l'ai dit, je reste naturelle, je reste moi et elles m'ont aimée comme ça. Voilà, c'est tout. Effectivement. Voilà, c'est bien. C'est toi qui finis bien pour Naomi. Bye bye. Bye bye.
Voilà, bienvenue dans la suite de la compétition du concours de jeunes présentateurs télé sur Canal 2 International. Oui, après Naomi qui a été éliminée pour la suite de la compétition, c'est au tour d'un garçon de nous quitter. C'est pour ça que vous voyez que je suis entourée de ces quatre charismatiques. Je ne sais pas comment je veux dire, mais vraiment, je suis bien entourée cet après-midi. Il y a Laurent qui est avec moi. Bonsoir encore, Laurent. Comment tu te sens vu que la compétition devient déjà de plus en plus corsée? Oui, la compétition devient de plus en plus un peu resserrée, mais on espère tenir jusqu'au bout. Tenir jusqu'au bout. Idriss également, je pense qu'il espère tenir jusqu'au bout, sauf si je me trompe, Idriss. Ouais, je vais tenir. Peu importe ce qui va arriver, on va encaisser. On va encaisser. Même Mattel, pour toi, Blaise, ou alors tu dis que tu es un warrior? But I'm still a warrior and I'll always remain a warrior. I'm still there and I'm fine, I'm not stressed. I just hope that the best should come. Ah, the best will come. Franck, est-ce que toi, tu sens également la pression monter? Je sens la tension. Je sens la pression, le stress. Mais on se doit de tenir jusqu'au bout. Il y a beaucoup de personnes qui comptent sur nous. Mais on ne veut surtout pas les décevoir. Voilà, surtout pas décevoir les téléspectateurs et ceux qui attendent le résultat du concours de jeunes présentateurs télé. Alors les gars, on va faire un petit jeu. On va retourner en enfance à l'école primaire. Vous avez des ardoises et quelques bouts de craie. Vous allez inscrire sur ces ardoises l'initiale de votre nom de la compétition. Par exemple, Laurent, c'est L que tu vas mettre sur ton ardoise. Idriss, ça sera I. Blaise, c'est B. Et Franck, ça sera F. Voilà. Voilà, un petit retour en enfance avec les ardoises. Je vais d'abord donner le micro à Franck, vu que c'est lui le dernier à avoir inscrit l'initiale de son prénom. Franck, c'est F, ça veut dire que tu es fidèle, c'est ça? C'est toi qui le dis. C'est moi qui le dis, donc tu n'es pas fidèle. Donc, je veux juste rajouter, la fidélité se voit sur mon visage, ainsi que l'innocence. Ouh, ça, c'est l'innocence. Pas un truc à discuter. Bon, lui, il s'appelle Blaise B pour bienveillance. Est-ce que tu es quelqu'un de bienveillant? Very simple and humble, that's how I can be defined. So, I can say I am. I'm humble. Voilà, il est humble. Et il y a Idriss Pong pour dire qu'il est intelligent. Tu es quelqu'un d'intelligent, Idriss? Bon, c'est généralement une capacité dont on laisse les autres témoigner ou bien juger. Bon, je sais pas. Certains disent parfois que je suis plus intelligent que mon âge. Ouh. Si c'est le cas, je suis très content. Très content. Et on a Laurent. Laurent, elle, c'est un peu comme leader. Leader libre. Est-ce que tu es un bon leader, Laurent? Bon, je ne sais pas trop s'il faut s'auto-juger ainsi, mais toujours est-il qu'il donne la possibilité aux uns aux autres de juger mes actions si je suis leader ou pas. Voilà, mais dans cette partie de la suite de la compétition, on n'aura pas de leader. Vous voyez cette enveloppe? Le sort de quelqu'un, de l'un d'entre vous, est dans cette enveloppe. Cette enveloppe, regardez-la bien, elle contient une énigme qui permettra de déterminer qui va quitter l'aventure et ça permettra également de savoir quels sont les trois prochaines personnes qui vont continuer l'aventure avec les filles. Il faut le rappeler que Naomi a déjà quitté l'aventure, il reste que trois filles. Donc on verra qui des garçons va rejoindre les filles également dans leur boucarou. Je vais vider le contenu de mon enveloppe, vous allez voir. Il s'agit d'un paragraphe de bouts de phrases qui ont été dégroupés. Il y a des pavillons et vous allez les remettre dans le bon ordre pour savoir de quoi il s'agit réellement. Donc les gars, vu qu'on a un gars fidèle, un bienveillant, un leader, un intelligent, je vous donne maximum 5 minutes pour déchiffrer l'énigme et nous dire qui sera la personne qui va nous quitter dans la compétition. Allez les gars, c'est à vous. Voilà. Ils ont déjà les pavillons, les bouts de papier. Ils vont choisir. C'est vrai que le vent ne facilite pas vraiment la tâche, mais je pense que ça va aller. Et si vous venez de nous rejoindre à l'instant, non, ce n'est pas un match des incollables, non, ce n'est pas un concours d'intellect. C'est le concours de jeunes présentateurs qui se poursuit. Et oui, l'édition 2024, nous sommes en train de désigner le gagnant ou la gagnante qui remportera le concours du jeune présentateur télé 2024 du Canal 2 International. On a les garçons qui sont à pied d'œuvre. Ils essaient de déchiffrer l'énigme qui nous permettra de connaître qui va quitter l'aventure ou alors qui vont continuer l'aventure avec les filles qui sont déjà sûres d'être qualifiées
pour la suite de l'événement. Ils réfléchissent. Il faut rappeler que les garçons ont inscrit la première lettre de leur prénom sur des ardoises. Et d'ici peu, vous allez savoir pourquoi ils ont fait cela. Il faudra d'abord avoir la réponse à l'énigme. Je pense qu'ils sont un tout petit peu près du but. Mais le vent ne facilite pas la tâche. Bon, je vais vous aider. Il y a un bout de papier qui est tombé de ce côté. Voilà. Continuez à chercher la réponse. Ce n'est pas évident, hein. Ne croyez pas que c'est facile, c'est pour ça qu'ils réfléchissent beaucoup. C'est quand même une étape assez compliquée. Hein. Est-ce qu'ils vont trouver la bonne réponse? Est-ce qu'ils vont devoir, est-ce qu'il va falloir devoir redonner un autre temps pour qu'ils puissent chercher? Je pense qu'on aura la réponse d'ici quelques secondes. Voilà, ils sont déjà en train de boucler. C'est bon. Oh non, le vent ne facilite pas la tâche. Et oui, le vent essaie de taquiner nos candidats. On espère que ça va aller et qu'ils vont très vite trouver la bonne réponse. Voilà. C'est bon pour vous? C'est pas évident aussi, hein, il faut le dire. Il faut faire travailler ses méninges, il faut savoir ce qu'il faut faire. C'est vraiment des bouts de phrases qu'il faut réunir pour connaître le sens de la phrase ou alors le sens du paragraphe qui nous donnera l'identité de la personne qui va quitter la suite de l'aventure. Et avec le vent, ce n'est pas évident aussi, il faut le souligner. C'est bon pour vous? Voilà. Les garçons ont choisi leur réponse ou alors ils ont réussi à aligner ces bouts de papier qui contiennent les phrases ou la phrase clé. Et là, c'est parmi tous les candidats autour de cette table, celui dont le nom commence par la lettre la plus avancée, selon l'ordre alphabétique, est éliminé. Parmi tous les candidats autour de cette table, celui dont le nom commence par la lettre la plus éloignée, la plus avancée, pardon, selon l'ordre alphabétique, est éliminé. Je pense qu'on va revenir sur vos ardoises, les garçons, prenez vos ardoises. On va essayer de connaître quelle est la lettre la plus avancée selon l'ordre de l'alphabet. On a B, oui, parce qu'après A, on a B. Bon, commençons par F. Ou alors, ensemble, on va donner lettre de l'alphabet. Il y a d'abord qui donne la première lettre. Prenez le micro. Voilà. La première lettre de l'alphabet, c'est A. Ok, après, il y a la B. Ensuite, C. Donc, B de Blaise, il est au début de l'alphabet, donc il n'est pas éliminé. Voilà, félicitations, tu continues l'aventure. Bon, maintenant, comme il continue, on va lui remettre le micro. Ensemble, on va réciter les autres lettres de l'alphabet. Après B, il y a quoi? We have C, the letter C. Et ensuite? And we have D. Ensuite? We have E. Voilà, continuons. We have F. F. C'est Franck. Franck qui n'est pas éliminé parce que son prénom n'est pas la lettre la plus avancée dans l'alphabet français. Donc, félicitations à toi, Franck. Je ne vois pas l'enthousiasme là. Tu veux bien qu'on t'élimine? Merci. Voilà, et c'est Franck qui va continuer à réciter les lettres de l'alphabet avec moi. Après F, on a? G. Après G. H. Après H. I. On a I. Idriss. Donc Idriss n'est pas éliminé. Malheureusement, on va continuer à l'aide de l'alphabet. Après I, on a Idriss. J. Après J. L. Non, on a K d'abord. J, K. Voilà, après K. K, L. Je pense que ceux qui nous regardent et ensemble, vous comprenez avec moi que la lettre la plus avancée dans l'alphabet français, c'est L. Donc malheureusement, c'est Laurent qui va nous quitter. Beaucoup de courage. C'est comme, il faut nous dire, comment est-ce que tu as vécu l'émission? Disons que tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Et sans rentrer dans le secret des jurys,
c'était un programme vraiment planifié. Et la compétition suit naturellement son cours, donc c'est, tout se passe bien. Tout se passe bien et la personne qui est éliminée pour la suite de la compétition, c'est Laurent. Laurent a qui en fait un maximum de passion, les garçons. Il faut encourager Laurent. C'est quand même votre bro de l'aventure. Le plus vétéran, bon, vous connaissez déjà, Naomi et Laurent sont ceux qui vont nous quitter. Et la suite de l'aventure, c'est dans la prochaine rubrique. Alors, on l'a vu dans l'entre des lettres avec Nazira, Laurent, tu quittes l'aventure ce soir. Désolée, beaucoup, beaucoup de courage. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Quels sont les souvenirs que tu gardes de cette aventure Jeune Présentateur 2024? Disons que c'est un bon souvenir que je garde de ce concours parce que, vous savez, c'est toujours un enseignement de plus que j'ai reçu pendant tout le temps du casting. Et aujourd'hui, dans cette dernière étape, je n'ai malheureusement pas eu l'occasion, la chance de continuer. Mais avec le coaching qu'on a eu avec les coachs qu'on nous avait affectés, vraiment, j'ai beaucoup appris comment te tenir devant une caméra, comment rédiger une note d'information, comment rédiger un chapeau, comment introduire un journal, comment introduire une rubrique dans une émission. Des leçons qui te serviront plus tard. Justement, des leçons qui me serviront plus tard parce que c'était un pas de plus pour moi, pour tout ce que j'ai appris au sein de Canal 2 via le concours Jeune Présentateur. Allez, Laurent, te remercie énormément. Tu as été vraiment quelqu'un d'assez spécial dans l'aventure. On le verra certainement au travers de tout ce que tu as pu faire, de tes interventions assez dynamiques. Laurent, qui était quand même un candidat très, très particulier et qui a su donner tout ce qu'il pouvait. Le meilleur reste à venir. Alors, on continuera tout à l'heure avec la prochaine étape des ateliers. Ce sera avec Geometrix. Après les ateliers animés par Haroun Nazira pour les messieurs et Ernest Mokala pour les dames, les six candidats qui sont toujours en lice nous ont retrouvés ici. Et je vous annonce tout de suite les couleurs. Nous sommes au poste de blé. Il y a des enveloppes devant vous, messieurs. Et à l'intérieur, pour chacun d'entre vous, il y a la note obtenue à l'issue du voting sur l'application de blé. Je précise, spécifiquement sur l'application de blé. Et le principe d'élimination à cette étape, c'est que le candidat qui aura la note la plus petite quitte l'aventure. J'espère qu'on est bien d'accord. Vous connaissez sans aucun doute les scores que vous avez fait sur l'application Facebook. Vous n'avez sans aucun doute aucune idée des notes du jury, mais également de vos notes sur l'application de Play. Alors si vous êtes prêts, on va y aller. Alors, je vais prendre les enveloppes qui contiennent de petites inscriptions pour nous indiquer qui en sont les propriétaires. Idriss, la première enveloppe, tu ne l'ouvres pas encore. Franck, l'enveloppe suivante. Fatima. Lucie. Blaise. Et Dora. Donc ça fait exactement le compte, et je le reprécise, dans chacune des enveloppes, il y a votre note, pourcentage, suffrage sur l'application de Play. Vous allez à un moment précis dépouiller l'enveloppe, regarder votre note, la montrer au public et éventuellement la comparer à celle qui existe déjà. Et je précise, je répète, c'est le candidat avec la plus petite note qui quitte l'aventure. La parole à qui veut la prendre? On peut y aller? Qui ouvrirait son enveloppe le premier? Blaise, allons-y. Alors, Blaise a le pourcentage voting sur de play 7%. Ok. Donc pour l'instant, on ne connaît pas les autres notes. Donc c'est la plus petite. Et techniquement, c'est Blaise qui nous quitte.
Ok. Lucie, tu te lances. Est-ce que Lucie a une note plus petite ou plus grande? Lucie, 15% sur deux plis. Ah. Donc, techniquement, ce n'est pas Lucie qui a la note la plus petite. Et jusqu'ici, la pression est sur Blaise. Qui se lance pour la suite? Dora, allons-y. Attention. Doucement, doucement, doucement. La note de plaie de Dora, 10%. Jusqu'à ce niveau, Blaise, tu as la pression. Tu as quelque chose à dire, Blaise, jusqu'ici? Tu peux prendre le micro? Ça va? Ça va. Ok. Dora et Lucie, techniquement, sont encore dans la course, puisque Blaise, pour le moment, a la note la plus petite. Lucie, on y va? Ou on attend Fatima? On essaye? On essaye? La note de Fatima, elle dépouille son enveloppe. Voting sur le play, 10%. Jusque là, Blaise, tu as la note la plus petite. Sauf que Idriss et Franck n'ont toujours pas dévoilé le contenu de leurs enveloppes. Franck, on essaye? Quelque chose à dire, Franck, avant de te lancer? Ah non. Ok. L'objectif, c'est de se retrouver au moins le tantinet au-dessus de 7% dans le voting de play. Je reprécise, c'est uniquement le voting de play. Sur les réseaux sociaux, vous aviez la possibilité de voter via la page Facebook Jeune Présentateur Télé Canal 2 ou l'application. Le voting sur Facebook est public, pas d'épilogue, mais sur Deplay, on découvre à l'instant. Franck, tu as la main. Est-ce que Franck fera plus que 7%? Est-ce que Blaise va rester dans la position du candidat éliminé? Franck fait 8% de voix sur l'application Deplay. Ah, la pression monte, hein. Blaise, jusqu'ici, tu es coincé dans cette position inconfortable. 7% est l'ultime chance d'être sauvé. Ce sera peut-être le contenu de l'enveloppe Idriss. Idriss, qu'est-ce qu'on fait? Quelque chose à dire avant? Ou tu prends ton courage et tu dépouilles l'enveloppe? Idriss a choisi le courage de découvrir le contenu de son courrier et le courrier à lui adresser, c'est son pourcentage au voting sur l'application Deplay. Gratuite sur Play Store et sur l'App Store, une application qui vous permet également de regarder les programmes de votre chaîne en direct et en replay. Idriss a fait 20% sur Deplay. Waouh! C'est la meilleure note à cette date, premier sur deux plays. Et malheureusement, c'est une bonne nouvelle pour Idriss, mais une mauvaise pour Blaise, qui reste à 7%. Malheureusement, à cette étape, Blaise, tu as franchi toutes les étapes. L'étape du tirage au sort, la case des lettres de Haroun Nazira. Mais l'aventure, malheureusement, devra s'arrêter pour toi ici. C'est bien dommage. Magnifique performance quand même, il faut le préciser. Un dynamisme, un bilinguisme qui est rare dans le paysage audiovisuel. Et on pense qu'on se reverra sans aucun doute, Blaise. C'est sûr, c'est sûr. Et pour les cinq autres, on va se retrouver tout à l'heure pour l'avant-dernier atelier avant le dévoilement du vainqueur. A tout de suite. Alors Blaise, les notes de plaie n'ont pas été favorables pour toi cette fois. Désolé, tu quittes l'aventure malgré tout ton talent et ton enthousiasme. Quel est ton ressenti actuellement? Somehow disappointed, I would say. I cannot say I'm happy. Somehow disappointed, leaving the competition at a very crucial moment, close to the finals, but I'm actually happy because over 300 candidates, if I was able to get to this level, that means I actually had something in me. So I think it's an opportunity for me to go back and work out what I have. If I have talent, I'll try to like bring it up.
And the only thing I'm going to say, it's those people who actually voted for me, those who encouraged me, they shouldn't feel discouraged. Well, I think the next time will be the best. And for Play Store, it was somehow not easy to actually bring out your friends, for them to vote you up on Play Store. But that notwithstanding, I'm still happy being amongst those people who took part in the finals of the Concours des Jeunes Présentateurs 2024. I'm happy and I'm sure the next opportunity will be mine. Alors tout à l'heure tu as dit if I had talent, tu as le talent qu'il faut. Vraiment, reste ce sujet là-dessus. Tu es aussi magnifique en animation qu'en journaliste. Je te souhaite vraiment beaucoup beaucoup de bonheur pour la suite. Ne te désespère pas et ne t'arrête pas en chemin. Je pense que tu as beaucoup à offrir à l'audiovisuel. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève le parcours de Blaise, mais surtout, il y a d'autres qui continueront pour la suite. Ce sera dans la première mais dernière étape d'élimination avec Geomatrix. Concours du jeune présentateur télé 2024, la finale. Nous avons passé une journée complètement folle en compagnie de nos 8 candidats qui malheureusement à cette étape ne sont plus que 5. Fatima, Idriss, Dora, Franck et Lucie. Et je rappelle le principe, c'est à 40% vous qui avez décidé, soit sur l'application de Play, soit sur le compte Facebook, la page je veux dire, jeune présentateur télé Canal 2. Ou alors à 60% le jury, Joyce Otso, Aimé Catherine Moukouri, Patricia Kei, Fidjil et Junior Rossin. Un dernier tour de table avant d'en venir au fait de cette étape. Fatima, à cette étape de la compétition, comment se sent ? Eh bien, je dirais que le processus fait monter la température de temps en temps, mais je reste confiante. Tu restes confiante et vraisemblablement zen ? Oui, je reste zen. Tu n'as pas peur ? Bon, s'il fallait mettre la peur sur une échelle, je dirais que j'ai peur à 10%. 10%? Oui. Pas du tout. Donc elle est sereine. Et il faut rappeler quand même que sur la page Facebook Jeune Présentateur Télé, tu fais les meilleurs scores, numéro 1, tandis que Idriss, on a découvert que toi, tu es numéro 1 sur l'application de Play. Donc il y a des raisons d'être zen aussi pour toi. Ah, je suis confiant. Cette étape où on pourrait appeler la demi-finale. On est prêt à encaisser ce qui va arriver. On espère aller à la finale. Mais on est déjà en finale, mais la finale de la finale. On espère, pourquoi pas. Et si on est arrivé à cette époque, à ce niveau, on a déjà quand même beaucoup encaissé. Et ce n'est pas mal. Ouais, ouais. On est prêt à en prendre encore. Alors, on a Fatima numéro 1 sur Facebook. Idriss, numéro 1 sur 2 Play. Est-ce que Dora, toi, ça te met la pression ? La pression de ouf, carrément la pression de ouf. Parce que je suis en face des meilleurs, des personnes qui ont de meilleurs scores sur les plateformes digitales. Ça met clairement la pression. Ça met clairement la pression. Mais ça donne également un espoir de savoir que le voting ne compte que pour 40% et que les 60% du jury peuvent faire la différence. Oui, mais la pression ne définit pas forcément le résultat final. Donc je reste zen, je reste confiante, confiance en moi, voilà. Zen, attitude et confiance, est-ce que c'est la même chose pour toi, Franck ? On t'a aperçu tout à l'heure en train de chantonner. Tu chantes par passion ou tu chantes pour faire baisser la pression ? Comme je l'ai dit tantôt, depuis le début, il y a de la pression. Mais aussi, il faut satisfaire certains fans, tu vois ? Ah. Donc, c'est un peu ça. Bah, du coup, il y a de la pression, mais on se doit de satisfaire tous ceux qui comptent sur nous depuis le début. Ceux qui ont travaillé, ils ont bossé dur pour qu'on puisse avoir ne serait-ce que quelques votes sur la plateforme sociale qu'est Facebook. Donc je pense qu'avec le nombre de likes que j'ai eu, je pense que ça va jouer beaucoup sur la compétition. Et je suis bien parti pour la suite. Voilà, mais c'est ce qu'on appelle être confiant, bien parti pour la suite. Alors Lucie, également sur les réseaux, tu n'es pas première, tu n'es pas dernière, mais on doit quand même saluer ta capacité de mobilisation, c'est extraordinaire. Oui Joe, et d'ailleurs pour la suite,
être dans ce top 5 pour moi me garde très joyeuse, d'ailleurs comme depuis le début de cette aventure. Et si je pouvais dire un mot, c'est juste que nous sommes tous des champions et quelle que soit l'issue de cette compétition, nous continuerons de briller dans nos divers domaines. Voilà, donc on est au cœur de la Champions League et je vais rapidement expliquer le process de cette étape. À ce niveau, nous allons éliminer deux d'entre vous. Et ça va se faire d'une façon très simple. Vous êtes 5, un nombre impair. Si vous êtes divisé par 2, on aura une équipe de 2 et une équipe de 3. Et c'est l'équipe de 2, qui va quitter l'aventure. Je reprécise, vous êtes 5, vous serez scindé en 2. Donc une équipe de 2 et une équipe de 3. Et c'est l'équipe de 2 qui va nous quitter. Et comment allons-nous scinder les deux? Première chose, chacun d'entre vous va retrouver dans cette enveloppe une pastille qui correspond à son nom. Donc ça c'est Dora par exemple, elle remet à Dora. Ça c'est Lucie, Franck tu regardes. Ça c'est Fatima. Ça c'est Idriss et naturellement c'est Franck. Donc chacun d'entre vous a, disons-le, une pastille. Il faut bien montrer les pastilles aux caméras. On voit les noms inscrits dessus. Fatima, Lucie, Dora, Franck et Idriss. À l'intérieur de chacune des pastilles, il se trouve une sorte de capsule qui a une couleur. Et les capsules ne sont que de deux couleurs. Une couleur bleue et une couleur fuchsia ou rose. Ça dépend de comment on regarde. Il n'y a que deux types de pastilles. Les pastilles bleues et les pastilles fuchsia. Alors, si on a une équipe de bleu à 3, ça veut dire que l'équipe fuchsia sera à 2 et l'équipe fuchsia est éliminée. Si on a une équipe fuchsia à 3, ça veut dire que l'équipe bleue sera à 2 et l'équipe bleue est éliminée. J'espère qu'on a bien compris le principe. Lucie, tu étais la première à tirer. Est-ce que tu peux dépouiller donc ta pastille, qu'on voit ce que tu as comme couleur à l'intérieur? Voilà, et les caméras sont les premiers témoins permettant à ceux qui nous regardent à la maison de vivre cet instant. On a passé toute la journée ici aux Cascades Saint-David. Et Lucie, à quel type de pastille, s'il vous plaît, à l'intérieur? Et là, le fuchsia. Voilà. Donc, c'est la première couleur. On va suivre automatiquement Franck. Lucie et fuchsia, on a la première couleur. Franck, tu vas lever un tout petit peu qu'on voit comment est-ce que tu découvres la couleur qui est dans ta petite enveloppe. C'est difficile à tenir, hein, mais il faut bien, je le rappelle, il n'y a que deux types de couleurs. Soit on est fuchsia, soit on est bleu. Et l'équipe qui se retrouve à 3 l'emporte. L'équipe qui se retrouve à 2 s'arrête. Franck, quelle couleur? Tu peux la brandir. La couleur bleue. Donc, pour le moment, on a un bleu, un fuchsia. Quelque chose à ajouter, quelque chose à dire à ce niveau? Pas de pression. Dora, on y va? Donc, on a Lucie qui est fuchsia, on a Franck qui est bleu. À ce niveau, on ne peut pas savoir la couleur qui gagne et la couleur qui perd. Dora dépouille donc sa petite enveloppe pour découvrir sa couleur, et Dora et fuchsia. Donc on a déjà 2 points pour les fuchsia et 1 point pour les bleus. Donc ça va se jouer à Fatima ou Idriss. Idriss, alors ce qui va arriver, c'est que si Idriss est fuchsia, automatiquement Franck et Fatima s'en vont. Si Idriss est bleu, le suspense continue.
C'est bien ça. Si Idriss et Fuchsia, Franck et Fatima s'en vont, donc Lucie et Dora continuent l'aventure. Mais si Idriss est bleu, le suspense se poursuit. Et on a dit qu'à cette étape, c'est l'équipe à deux qui s'en va. On a une équipe qui est déjà à deux et une seule qui est à un. Est-ce qu'on peut y aller, Idriss, s'il te plaît? Idriss va donc dépouiller le contenu. Si Idriss et Fuchsia, Dora et Lucie passent avec lui. Et si Idriss est bleu, Idriss est bleu. Ça veut dire au final qu'on a à ce moment deux bleus, deux fuchsia. Et le suspense se retourne vers Fatima. Donc, techniquement, c'est la couleur de Fatima qui va déterminer l'essentiel. Tu peux mettre une pause, Fatima, s'il te plaît. Quelqu'un a quelque chose à dire avant qu'on y arrive? Dora? Donc, Dora, tu es en train certainement de dire des prières pour que Fatima soit fuchsia. Dans notre tête, ce sont les pronostics. Si Fatima est fuchsia, Dora, Lucie et Fatima, c'est la suite. Si Fatima est bleu, Franck, Idriss et Fatima continuent. Que va-t-il se passer? Franck, quelque chose à dire? Déjà, j'aimerais te remercier. Parce que la couleur bleue, c'est ma couleur préférée déjà. Ah, génial. Et aussi parce que tu es en bleu. Et donc, je pense que c'est un bel avantage. Ah, c'est peut-être les bleus qui l'emportent. Qui sait? On va voir. Quelque chose à dire, Lucie? Juste dire qu'on reste positif et que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Idriss? Bon, peu importe ce qui va se passer, je tiens à dire que tous méritent. Et je remercie tous les candidats de l'aventure. Je ne vais pas parler comme un perdant ou encore comme un gagnant. Nous tous, on a appris durant cette compétition. Peu importe le résultat, je vais dire merci à tout le monde. Donc, à cette étape, si Fatima... Et Fatima, tu as quelque chose à dire? Parce que parti comme c'est parti, potentiellement, tel que ça s'annonce, potentiellement, la clé des autres est entre tes mains. Si tu es bleu, tu qualifies Franck et Idriss. Si tu es fuchsia, tu qualifies... L'ultime phase, le dernier tableau pour découvrir le lauréat, le vainqueur de l'édition 2024 du concours du jeune présentateur télé, c'est ici. Nous sommes allés de suspense en suspense, de peur en peur et d'élimination en élimination. Ils ne sont finalement plus que trois. Fatima. Oui, Joe. Alors, jusqu'ici, on t'appelle la boss de Facebook puisque tu as explosé tous les compteurs. Plus de 1000 likes sous ta photo. Mais il y a quand même qu'il y a un suspense concernant ton autre pour le jury. Est-ce que ça te met la pression? La pression, non. Déjà, je rends grâce à Dieu de faire partie du top 3. Voilà. Mais sinon, je reste toujours confiante. Je n'ai pas de pression. Je suis confiante. Et on rappelle que seulement deux d'entre vous seront désignés vainqueurs. Le premier, 6 mois de stage et d'immersion professionnelle au sein de Canal 2 International. Et le second, 3 mois seulement. Franck, on disait précédemment que tu es difficile à classer. Tu n'es pas le premier et pas le dernier, ni sur Facebook, ni sur Deplay. Mais peut-être toi, ton secret, c'est la note jury. Déjà, merci Joe. Je vais dire que j'ai tout donné pendant la compétition. Je me suis efforcé de respecter les règles données par les membres du jury. Et je suis sûr et certain que ça va jouer en ma faveur. Déjà, nous sommes là. C'est ici que tout va se jouer. Donc, il n'y a pas d'échappatoire. Et donc, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. C'est motivant d'entendre ça. Et de l'autre côté, il y a Idriss. Si Fatima est la boss,
chez Zuckerberg. Idriss, il est le patron de Deplay. 20%, c'est quand même énorme comme score. Comment on a fait pour réaliser une telle prouesse? Bon, il faut dire que les votes sur Deplay, ça n'a pas été facile. On a eu ces personnes qu'on peut appeler entre guillemets les fans, qu'il fallait absolument leur expliquer le principe de vote. C'est pas facile comme sur Facebook où il fallait juste laisser un pouce bleu, partager et commenter. Il fallait leur expliquer qu'il faut s'inscrire sur Deplay, qu'il faut créer un compte avant de voter ou encore voter deux fois. Et ça n'a pas été facile. Déjà que parmi ceux qui votent, il y a d'autres qui ne te connaissent pas. Et il faut avoir une certaine motivation pour suivre ce long processus-là afin de voter un candidat qu'on a juste regardé à Canada International. Et toi, tu as pris le temps et la peine de le faire au point de passer numéro 1. Bah, il a fallu réaliser même des capsules vidéo pour expliquer le principe, comment ça fonctionne et leur faire comprendre que c'est très facile. En te donnant cette peine, tu es passé donc numéro 1 des votings sur Deplay. Bravo. Bravo également à toi Fatima pour cet exploit sur Facebook et à toi Franck et à tous les trois, j'ai envie de le dire, bravo. Je pense je vais porter la voix des membres du jury, Joyce, Junior Ossin, Aimé-Catherine Moukouri, Patrice Akeye, Fidjil. Porter également la voix de l'ensemble de l'équipe technique mobilisée pour ce tournage et qui a accompagné la production depuis les castings. Porter la voix également des fans sur la page Jeune Présentateur Télé Canal 2 et de tous ceux qui regardent ce programme depuis sa toute première édition. Mais pour féliciter l'effort que vous avez fait et les valeurs que vous incarnez, les valeurs de travail, d'abnégation et surtout d'excellence. Ce qui arrive, donc c'est une tradition dans ce programme. Pour annoncer le lauréat d'une édition, nous recevons toujours le gagnant de l'édition précédente. Et ce n'est un secret pour personne. Vous l'écoutez régulièrement dans le cadre du journal de 19h50 sur Canal 2 International. Sa voix est pratiquement une référence donc sur des sujets de divers ordres, la politique, l'économie, les faits de société et parfois même la santé. Vous êtes également très nombreux à l'écouter sur la radio du bonheur, Suite FM, notamment le vendredi très tôt le matin parce qu'il présente le flash d'information. Il s'appelle Cyril Kouakam, il est passé par cette case, il est passé donc par l'étape du casting, du coaching, du voting et lui il a excellé, il est sorti donc vainqueur lauréat. Et au-delà donc des 6 mois garantis qu'il avait en immersion professionnelle, c'est déjà, on va dire, pratiquement une personne, un journaliste intégré au staff de Canal 2 International. Il a passé toute la matinée avec nous, avec l'ensemble des candidats. On va le recevoir à l'instant parce qu'il arrive avec l'enveloppe qui contient le nom du lauréat. On reçoit Cyril Kouakam qui nous retrouve donc ici. Et avec lui, en plus de découvrir donc le contenu de l'enveloppe, on va un tout petit peu papoter, tu permets Idriss, sur ce que c'est de gagner le concours du jeune présentateur télé. Bienvenue Cyril. Bonsoir Joe et bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 et bonsoir également à nos valeureux finalistes. Alors ce que je n'ai pas rajouté, c'est que tu es également un visage de référence du programme Chin Chin qui accompagne les jeunes pendant les vacances. Il faut dire que c'est un programme qui a été déployé sur la chaîne pendant la période des vacances. D'ailleurs, le dernier en date était au mois de juillet, entre juillet et le mois d'août. Septembre. Septembre ou août? Août. Août, voilà. Nous avons animé le programme entre 17h30 et 18h sur les antennes du Canal 2 International. D'ailleurs, ce fut une belle expérience que certainement le vainqueur de cette édition 2024 connaîtra. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien savoir, c'est l'occasion de te poser la question, comment est-ce que gagner le concours du jeune présentateur télé a changé ta perspective de carrière professionnelle? Il faut dire que quand tu remportes le concours, ce concours, désormais les regards ne sont plus les mêmes. Au quartier, on te regarde différemment et toi-même dans ta peau, le simple fait de savoir que tu es à Canal 2 International t'amène évidemment à travailler et à donner le meilleur de toi pour aussi écrire ton nom en lettres d'or.
et tu as commencé à le faire parce que tu as intégré la rédaction centrale de Canal 2, mais également la rédaction de Suite FM. Ça fait tout d'un coup beaucoup de travail. Tu quittes de pratiquement de journaliste en herbe pour être un grand professionnel qui est déjà dans certains cas de figure cité comme une référence. D'ailleurs, c'est l'objectif de ce concours, permettre aux jeunes qui sont passionnés par les métiers du journalisme ou de l'animation. Et depuis mon intégration en février 2023, les acquis, oui, il y en a eu beaucoup même, parce que partant de la collecte, du tri, du traitement de l'information, c'est un plus, parce que l'objectif aussi n'est pas d'inciter peut-être les populations à la révolte. Une fois que l'information a été collectée, il faut savoir faire la part des choses afin de diffuser la bonne et la vraie information. Donc, partant de la radio pour la télé, peut-être je vais te dévancer par là. Désormais, j'anime le Flash Info à Canal Matin pour les matins entre 7h25 et 7h30 minutes. C'est un défi, c'est un challenge que je relève au quotidien et j'espère que à la fin on sera tout à fait content. J'ai envie de rajouter que tu relèves un challenge que tu relèves avec brio puisque tu es la voix de l'information dans la nouvelle formule de Canal Matin. Bravo Cyril. Merci. Et on va aussi dire merci au top management, sans qui je ne serais pas là. Alors, la suite, ce qui nous concerne directement ce soir, c'est que tu as l'enveloppe qui contient le nom du lauréat de cette édition. Et tu nous disais en off que la production a décidé de faire les choses autrement cette année. Explique-nous. Cette année, on ne va pas lire le nom du vainqueur, mais on va lire le nom du deuxième et du troisième. Donc, dans cette enveloppe que je tiens, elle est bien scellée. Nous avons le nom du deuxième et du troisième. Ce qui veut dire que celui ou celle qui n'écoutera pas son nom sera le vainqueur de l'édition 2024. Ah, ça, c'est une façon de rajouter du suspense. Donc, on a dans l'enveloppe le nom du deuxième, le nom du troisième, ce qui va donner naturellement le nom du vainqueur. Qu'est-ce qu'on fait, Cyril? On est tout de suite. Est-ce qu'on va donc dépouiller l'enveloppe? Avant de dépouiller cette enveloppe, je tiens à dire à Fatima, Idriss et Franck que vous êtes tous des vainqueurs. Mais parmi les vainqueurs, il y a le grand vainqueur. Et tout de suite, pour ne pas faire durer le suspense, je vais dépouiller cette enveloppe pour qu'ensemble on puisse découvrir les noms qui figurent. Waouh, ça c'est spécial. Hein. Donc dans l'enveloppe, il n'y a pas le nom du vainqueur, il y a le nom du deuxième et du troisième. Troisième. Qu'est-ce qu'on fait, Cyril? Qu'est-ce qu'on va annoncer en premier? Le nom du deuxième ou le nom du troisième? Je préfère le nom du deuxième d'abord. Le nom du deuxième. Voilà. Donc, à l'instant, on va découvrir le numéro 2 de ce top 3 qui, lui, automatiquement remporte 3 mois de stage. 3 mois de stage au sein du Canal 2 International. Et tout de suite, pour ne plus retarder le suspense, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ce fut une très belle aventure. Pour nos différents candidats, au départ, ils étaient 10. Un a désisté. Ils sont restés au nombre de 7. Ils ont traversé les différentes étapes. Et à ce jour, ils ne sont plus que 3. Et parmi ces 3, je m'en vais dévoiler le nom de celui qui occupe la deuxième place de la compétition. La deuxième place, suspense. La deuxième place est occupée par... Waouh, les cœurs battent la chamade, hein. Ça met une pression incroyable. Le numéro 2 est... Franck. Franck. Waouh. Tu t'avances, Franck. Deuxième de cette compétition.
qu'est-ce que ça te fait? Tu prends le micro. Déjà, l'émotion est à son comble. Que dire? Que de la joie. Et vraiment, je tiens à remercier tous ceux qui ont compté sur moi, que ce soit de près ou de loin. Vraiment, c'est une nouvelle aventure qui commence. Je suis très heureux déjà parce que je me suis montré digne de la confiance en laquelle vous avez mis en moi. Et je suis sûr qu'ensemble, on pourra gravir des échelons. Et comme je le disais tantôt, c'est une nouvelle aventure. Je passe un coucou à ma mère, un coucou à toute ma famille, à tous mes proches, ceux qui ont voté, qui ne me connaissaient même pas, mais qui ont compté sur moi. Franchement, sans vous, on ne pouvait pas franchir ce stade-ci. On ne pouvait pas y arriver jusqu'à ce niveau. Donc je tiens à vous remercier. Et vraiment, à toute l'équipe également et au jury. Franchement, je suis très heureux. Très heureux. Bravo, Franck. Donc Franck est numéro 2. Alors, on reste dans le suspense. Soit Idriss, soit Fatima, l'un d'eux remporte la compétition. Mais seulement, tu nous as dit, Cyril, il n'y a que le nom du numéro 3 et pas du numéro 1. Ça veut dire que c'est le nom de celui qu'on ne dira pas qui remporte cette édition 2021. Effectivement. Waouh, quel suspense. Qu'est-ce qu'on fait, Cyril? Tu vas regarder encore à l'intérieur de l'enveloppe. On va le faire. On va le faire ensemble. On va le faire. On va le faire. Oh là là. Franck, numéro 2, 3 mois de stage garanti. Qui de Idriss ou de Fatima? Idriss, boss de la plateforme de play. Des scores incroyables. 20% on a dit. Et Fatima, sur Facebook, plus de 1000 likes et des commentaires qui ont vraiment du tonnerre. Qui des deux remporte le concours? Et sachant que cette année, nous n'avons pas dans l'enveloppe le nom du lauréat, nous avons le nom du troisième. Cyril, on s'en remet à toi. Qui est le numéro 3 de cette aventure? Et donc, qui ne remporte pas, donc qui va céder sa place à celui dont on ne va pas dire le nom? Est-ce que c'est Idriss? Est-ce que c'est Fatima? Mais avant d'y arriver, est-ce que vous aurez quelque chose à dire? Fatima? Quelque chose? Rien pour l'instant. Idriss? Rien du tout. Cyril? Allez voir, je me souviens de cette fatidique date, le 2 septembre 2022. J'occupais la même position et j'avais le cœur qui battait la chamade. J'ose croire que c'est le même sentiment qui anime nos deux finalistes ce soir. Comme tu l'as dit tantôt, Joe, dans cette enveloppe, nous avons le nom du troisième. Donc, celui ou celle qui n'écoutera pas son nom sera déclaré vainqueur du concours Le Jeune Présentateur édition 2024. Alors, il faut redire cette partie, c'est-à-dire que celui d'entre Idriss ou de Fatima qui n'écoutera pas son nom est désigné vainqueur. Et donc, de Idriss ou Fatima sera déclaré vainqueur de cette édition 2024. Wow. La pression monte et j'ai la lourde responsabilité de dévoiler malheureusement celui. C'est le troisième. Hein? Le troisième, oui. Candidat numéro 3. Le candidat numéro 3 à cette édition 2024 est Idriss. Et donc Fatima remporte l'édition 2024 du concours du jeune présentateur télé. Ben oui, c'est Fatima qui passe donc numéro 1 et Idriss est troisième. Waouh, quel suspense! Franck termine deuxième, Idriss troisième et c'est Fatima qui remporte cette édition. À cette étape, Fatima, quelque chose à dire finalement? Bien sûr que j'ai quelque chose à dire. Je suis en joie. Je suis en joie et je manifeste ma joie, bien que je sois quelqu'un
qui n'exprime pas facilement ses émotions, mais je souris quand même dans sa montre que je suis en joie. Et je rends une fois de plus grâce à Dieu, parce que c'est par la grâce de Dieu que j'ai pu faire tout ce que j'ai fait lors de mes prestations pendant le concours. Merci également à tous ceux qui m'ont soutenu de près ou de loin, que ce soit pendant la période du voting ou pendant la période du coaching. Bravo Fatima, des ovations pour elle. Oh là là, notre cher Idriss, pas trop déçu Idriss? Non, je suis pas déçu. C'est vrai que on venait avec l'esprit de gagner. Mais le fait que pendant l'aventure, on a appris énormément, on a appris beaucoup de choses dans en ce qui concerne le journalisme ou encore l'animation télé. Déjà participer à ce concours et arriver à la finale face à une centaine de personnes qui ont postulé et près plus de 60 qui ont passé au casting. Et être aujourd'hui dans le top 3, c'est déjà une réussite. On venait avec l'idée de gagner, mais ce qu'on a appris nous console et on n'est pas déçu, Joe. On rentre avec beaucoup de choses et on va certainement mettre cela au profit, pas forcément à Canal 2 International, mais certainement dans d'autres chaînes de télévision ou de radio. Bravo, bravo Idriss, et merci encore à l'équipe technique, les candidats qui sont de l'autre côté. Merci de nous retrouver donc pour la photo de fin. Voici comment se termine l'édition 2024 du concours du jeune présentateur télé. Ils nous ont dit que au-delà des compétiteurs, ce sont déjà des amis. Bravo Fatima, exceptionnelle victoire. Bravo pour la mobilisation et bravo pour ce fair play entre compétiteurs. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Ça a été laborieux, très difficile. Et bravo, bravo Laurent, bravo, bravo, bravo pour ce que tu as réalisé. Bravo Franck, bravo Dora, bravo Naomi, bravo Idriss, bravo Blaise et bravo Fatima. Bravo également à toutes les équipes qui ont travaillé, René, Djoubo, Henrik D, Ernestine, Haroun Nazira, notre réalisateur Donald Jassep et Eddy, notre cher ami Eddy, le copie de quelqu'un. Bravo à toi Eddy. Et vraiment merci aussi à Augustin Fossi qui est de l'autre côté au mixage vidéo. C'est une très très belle expérience. Merci Mathias aussi d'avoir été des nôtres. Normalement on va se retrouver l'année prochaine, en 2025, et il y a en background la chanson des vainqueurs, We Are The Champions, on est les champions. Et restez des notes sur Canal 2 International, vous aurez donc l'occasion de voir Franck et Fatima sous d'autres facettes, à la rédaction, dans des programmes d'animation et peut-être dans la prochaine édition de Chin Chin. Ça reste à savoir et à découvrir. On se retrouve, comme on disait les potes, à l'année prochaine. Merci.